est responsable de la crise et des souffrances qu'elle provoque. Ce sont ces 200 familles qui dominent l'économie et la politique de la France. Dans un de ses chefs-d'œuvre, l'île des Pingouins, Anatole France observe ironiquement. Après s'être soustraite à l'autorité des rois et des empereurs, après avoir proclamé trois fois sa liberté, la France s'est soumise à des compagnies financières qui disposent des richesses du pays et par le moyen d'une presse achetée dirigent l'opinion. Les représentants de cette oligarchie financière siègent au conseil de régence de la Banque de France depuis sa fondation par Bonaparte en 1803. La France, depuis 130 ans, a connu trois révolutions. Elle a changé cinq fois de régime politique. À travers ses vicissitudes diverses, ses naufrages et ses bouleversements, seuls les maîtres du pouvoir financier sont demeurés immuables, incarnant la domination constante du capital. La Banque de France, voilà la puissance qui tient en échec le gouvernement légal et lui dicte ses volontés. C'est elle qui renverse les ministères en violation du suffrage universel. C'est elle qui impose au peuple de France les gouvernements chargés d'appliquer une politique favorable aux riches, due aux pauvres et aux travailleurs. On l'a vu à la suite du 6 février 1934. Les gouvernements nés de l'émeute fasciste n'ont pas inquiété les spéculateurs, les profiteurs, les voleurs. Ainsi, ces 200 familles conduisent notre pays à la ruine et à la catastrophe. Elles prétendent au surplus ravir à notre peuple les libertés qu'il a su conquérir par une lutte ardente et séculaire contre les forces d'oppression et de réaction. L'affranchissement des communes et des jacqueries du Moyen-Âge, à la Grande Révolution, puis au soulèvement populaire de 1830 et de 1848, et à la Commune de Paris, c'est un même besoin de justice sociale et une même soif de liberté qui ont animé et dressé le peuple de France. Or, pour rejeter tout le poids de la crise, sur le peuple laborieux, pour assurer leur domination ébranlée, les 200 familles rêvent d'instaurer dans notre pays un régime de dictature terroriste et sanglant dont le 6 février a donné un avant-goût. Les rois de la finance organisent, subventionnent et arment les ligues de guerre civile, prétendent s'imposer au peuple par la violence et la démagogie. Les ouvriers sont assassinés, les républicains sont molestés, blessés grièvement. Les parlementaires honnêtes, les hommes d'État, soucieux du salut de la République, sont bassement outragés et désignés publiquement au couteau, au revolver des assassins. Le peuple de France est excédé de ces manœuvres de guerre civile qui déforment à l'étranger le clair visage de notre pays, qui font se détourner de Paris et de nos centres de tourisme les visiteurs qui autrefois affluaient chez nous de toutes parts. Surplus, le peuple veut pouvoir vivre et travailler en toute tranquillité. Ceux qui divisent le peuple de France prétendent se présenter, non sans impudence, comme les champions de l'Union nationale. Or, ils sont profondément divisés entre eux-mêmes, surtout là où leur comité d'arbitrage intervient en faveur de l'un de l'autre. Le peuple de France répugne à l'esclavage et à la servitude. La discipline du troupeau soumise à la dictature d'un seul parle au nom des maîtres capitalistes. Car le fascisme, c'est en effet l'avilissement, l'anéantissement de l'individu. C'est l'impossibilité pour le savoir et le talent de donner leur pleine mesure dans le plein épanouissement de la liberté assurée à chacun et à tous. C'est le refoulement de cet esprit d'initiative et de progrès. Le fascisme, c'est aussi à l'extérieur, une politique d'aventure et de provocation. Le fascisme, c'est la guerre. Nul honnête homme n'en peut plus.